Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo après 6 mois d'absence. Voilà, là vous devez vous dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est sur un quad? Pourquoi il est plus sur sa moto? Qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, je vais vous expliquer ça vite fait, rapidement, et on fera une vidéo un peu plus complète si ça vous intéresse. Il chante bien le FMF. Et encore il y a la chicane. Bon ben voilà les gars, on y est. Pourquoi je suis sur un quad et pas sur le 300 TPI? Pour vous la faire courte, cet été j'ai eu un gros accident. Je me suis fracturé plusieurs vertèbres au dos, cheville, des brûlures, enfin bref, c'était pas jojo. J'ai passé 5 mois en fauteuil roulant, on savait pas si j'allais remarcher au début. Une fois que j'ai commencé à remarcher, j'ai réessayé de faire de la moto. Et je me suis rendu compte que je pourrais plus en faire comme je voulais pendant un petit moment. Donc j'ai laissé de côté le déni. J'ai décidé de vendre la moto. J'aimais bien les quads mais je savais pas trop si je voulais en prendre un. Puis je me suis dit allez pourquoi pas, on va essayer. Envie d'essayer une nouvelle discipline, envie de retrouver un petit peu des sensations, même si elles sont différentes. Donc voilà, je vais pas vous mentir, là le quad c'était surtout pour le remettre un petit peu en état propre. Et après le revendre. Je ne sais pas encore si je vais le garder longtemps ou pas. Hey, hey, hey. Bon, ça glisse à mort mais c'est rigolo. Après ce qui est bizarre c'est que ça veut trop t'éjecter tu vois. Après là, c'est pas très grand donc voilà les amis, j'ai pas roulé longtemps mais ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc voilà, je vous souhaite à tous du meilleur, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.